Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrieur R contre Pandawa et Nutrof Sacrieur avec des codes de pas de cote. J'aurais peut-être pu mettre de l'esquive PA contre la nuit des fois que ce soit un Anu R. Ah bah oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Bonus PA sur le Sacri. Ok. Ok, donc il veut tabasser T1, j'ai compris. Et nébuleux. Ok, donc ça veut passer du kill T1. Donc le panda va me ramener un perso. Ok. Bah c'est sympa ça. C'est sympa. C'est du bon gameplay ça. 18 PA T1, ok, bah parfait. Dak. Bon. Bah c'est tout ce que j'aime, hein. Vraiment c'est un kiff. Je vais aller comme ça. Comme ça. Je vais contre. Prémo. Et flou. Ah, je voulais me flou. Est-ce que ça va vraiment changer un truc? Je sais pas trop. Bon, le panda il va venir me chercher. Ah oui, d'accord, il sait même pas, il ramène un perso, s'il balance le sacré en fait. D'accord, on en est là. Ouais, c'est un peu sad que j'ai pas fini le tour du coup. Bon bah ça va être sympa en tout cas, c'est bien. 15 PM. Et ok. Bah parfait hein, écoutez. Que dire? C'est vraiment un kiff de jouer contre ça, vraiment je m'amuse beaucoup. Bah, je vais contre Kuule Xel, je pense, hein. Je fais bonne étoile. Contre-coup. Je vais me barrer, je vais faire un chaton. Il n'y a de gêne que pourra. J'ai espéré que le Xel reste en vie, mais là je suis moyen serein, je vous avouerai. Est-ce que je perds un perso? 18 PA. Berserk. Non mais c'est de l'abus là. C'est de l'abus total. Sacrifeu évidemment. Mais c'est pas du gameplay PVP ça! Je suis abasourdi. Bon. Écoutez, on est encore en vie, c'est déjà ça. On va y aller comme ça. Je me pacte. J'étais un crocobure en plus, ça peut être dangereux ça. On va essayer de casser un peu la ligne de vue. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay de mort? L'appel fantomatique évidemment. La retraite anticipée, non mais on a le droit de vivre un peu ou pas là? Le problème c'est qu'avec leur retraite, ils risquent de même pas prendre le contre-coup du berserk en fait. Il a repoussé mes persos au max. Je vais essayer de me stack un peu. Mais en vrai, je suis pas hyper bien là, il y a moyen que le Xel tombe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Vesta.
Bon là, c'est opération sauver le Xel. Oh, il me débuffe en boucle, c'est insupportable. Pas pour ça que je lance un collier à la base, moi. Hein. C'était plutôt pour jouer au jeu, hein, initialement. Bon, on va venir chercher un petit clear par là. Mettre un peu de soin. C'est vraiment... Bon. Le truc, c'est que je peux rien faire, là. J'ai une chance. Peut-être le meilleur call que j'ai. Là, après, c'est le sacré qui peut être dans la sauce, mais... Est-ce que j'ai bien fait de chance? Est-ce que je me condamne pas pour le tour d'après, en vrai? Oh, c'est chiant, mais à un point! Sérieusement, quoi. Là, je peux toujours pas le toucher. J'ai plus de vie. Je peux même pas me régénérer. On va essayer de se mettre en mode un peu tanky, mais... Il a la ligne de vue en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, pourquoi il y a deux persos qui sont en état lourd là? Mais c'est quoi ce truc? Donc là, je peux encore absolument rien faire, c'est ça? Mais comment il met deux persos en état lourd? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Pourquoi j'ai deux persos comme ça? Ah, c'est le pilori, ok, my bad. Je me disais, c'est quand même pas le panda qui peut me faire ça. Vu le nez maintenant, il va faire que ça en fait. Attends, mais pourquoi il est encore en état. Ah, ok, c'est le pilori du sacré là, d'accord. Sauf que là, du coup, je suis en retour de chance, c'est ça? Mais ça n'a aucun sens. Donc en fait, je peux absolument jamais toucher mon perso, c'est ça le concept. On va essayer de bloquer un peu. Alors évidemment, je l'ai enlevé de la zone de... Ouais, non, ça aurait rien changé. C'est vachement drôle ça. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay à la con? J'aurais peut-être du pupu. Avec une pupu, ça tuait, je pense, non? Ah non, je me. Non, non, je tapais plus. En vrai, si j'arrive à le tomber là, mais le problème, c'est qu'avec avec les nuits, je vais jamais passer de kill. J'aurais dû prendre le Berserk. Avec Berserk, il y aurait peut-être eu un monde où je faisais un truc, mais là, il y a ces deux persos qui jouent d'affilée, j'ai mon Xel qui joue pas.
Il peut se restab. Mais il n'y a pas de délai sur ses sorts. Il joue en item de classe, c'est pas possible, il a stab juste avant. En fait, on peut littéralement jamais toucher son perso, c'est ça le concept? C'est ridicule hein, pour le coup. Tour 4, j'ai toujours pas pu toucher son Sekri. C'est un kiff. Qu'est-ce qui se passe avec le soin? C'est un ennemi feu ou... Mais on est où là en fait? Je m'amuse pas, hein, je précise, des fois que ce soit pas clair. Il est encore. Attends. En fait, il alterne pilori et stab et je peux pas jouer en fait. Donc en fait, ça c'est le concept. D'accord. Bah, du coup, je peux rien faire. Je pensais l'afflux, mais je peux même pas en fait. Bah, c'est hyper drôle. J'aimerais juste pouvoir le toucher en fait, hein. Son perso il dégage, hein, mais je pourrais jamais le toucher en fait. Il est tout le temps soit pilori. Ah, il n'y a pas d'étalour là. Peut-être que il y a un monde où. Oh, il s'en va. Il s'en va le monsieur. Le problème, c'est que jamais je le tue. Hein. Manque encore 150 PV. Putain, ça fait deux fois. J'ai abattu. J'ai abattu. Pilori, c'est 3 tours. Et Stabi, c'est 2 tours. Ça veut dire qu'il y a un tour sur 4 où il est potentiellement indéplaçable.